Bonjour, on est reparti pour une deuxième séance de gymnastique à faire chez soi et sans matériel. C'est parti, l'échauffement. On contracte son nombril, son périnée. On écarte un peu les pieds. Balancez côté. On plie bien les deux genoux. Et les coudes vers l'arrière. Soufflez par la bouche. Un talon fesse. Deux talons fesses. La jambe de terre toujours souple, légèrement fléchie. On revient sur un. Et balancez, soufflez. Les bras devant. Même chose en haut. On reprend les balancés. On y va pour un genou. Le nombril plaqué, coude opposé. Ventilez la respiration. Deux genoux. On revient sur un. Et balancez, soufflez. On étire côté. Et balance. Et
marchez, soufflez, buvez. On enchaîne avec le renforcement musculaire. Flexion des deux genoux, inclinaison du buste légèrement vers l'avant, nombril périnée toujours. Les deux bras tendus vers l'arrière, les paumes de main vers le plafond. En soufflant, on croise les bras dans le dos. C'est parti. On allonge bien la colonne, on rentre le nombril, on rentre le menton. Soufflez bien par la bouche. Étirez le bas du dos sur les genoux pliés. On y va avec des petits rapides. Hop, 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 hop. Et relâchez. Déroulez. Pied parallèle. Un pied sur demi-pointe. Toujours mon nombril, mon périnée. J'inspire. Je descends comme pour m'asseoir. Je souffle en remontant. Toujours bien les genoux au-dessus des orteils, les pieds parallèles, largeur du bassin. Et on repousse bien du talon au sol jusqu'au fessier en remontant. Le prochain, on reste, on a le droit de remonter avant. Et relâche, talons, fesses. On y va, même chose avec l'autre pied sur demi-pointe, c'est parti. Les pieds bien parallèles, largeur du bassin. Nombril gainé. Et on va bloquer. Inclinaison du buste vers le haut, vers le bas. On inspire en allongeant vers le haut, on souffle vers le bas. On gaine bien le ventre, ce sont les abdominaux qui travaillent. Et on va bloquer vers le haut. Et relâche. Même chose de l'autre côté. C'est parti. On inspire, on allonge, on étire vers le haut. On souffle vers le bas. Le bassin reste bien fixe. Les deux talons plantés dans le sol. Les cervicales dans l'alignement de la colonne.
Et on va bloquer en haut.